Se libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Bonjour, bienvenue à tous les amis. Je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de l'emprise d'un pervers narcissique. Comment se libérer de cette personne toxique, manipulatrice et pervers. Alors, sachez que le pervers narcissique va, par tous les moyens, s'il estime que vous êtes à lui, vous êtes sa chose et qu'il a envie de garder un emprise pour vous, en fait, il va essayer d'utiliser la manipulation, la culpabilité, la peur, l'intimidation et j'en passe, et des meilleurs. Mais avant ça, je tenais à vous dire merci à toutes et à tous de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce bleu et de faire grandir cette chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser un message, je vous répondrai et on va rentrer dans le vif du sujet. L'emprise d'un pervers narcissique, en fait, c'est, comme je le disais, la manipulation, l'intimidation, le chantage et, en fait, vraiment de créer un manque de confiance en vous, une dépendance à lui. Et la dépendance affective, c'est quelque chose qui fait extrêmement souffrir et vous pensez que sans lui, vous n'êtes capable de rien faire, ce qui est faux, archi faux, vraiment faux et vraiment totalement faux. Pour vous libérer d'un pervers narcissique, si vous vous retrouvez dans une relation, ben, je vais être honnête, il va falloir mettre fin à cette relation. Si c'est après une rupture que vous êtes encore sous emprise et que vous voulez vous libérer et qui vous fait les violons et qui vous raconte des histoires pour vous faire revenir et resserrer l'emprise sur vous, eh bien, va falloir comprendre que non, il ne peut pas changer. Non, ses paroles, c'est la merde. C'est, peu importe ce qu'il vous raconte, c'est des conneries. Le pervers narcissique est une personne douée. Il peut même se mettre à pleurer, vous supplier à genoux et pleurer comme un bébé. C'est un manipulateur et un comédien. Il est capable de vous jouer une sérénade pas possible pour vous faire culpabiliser et vous faire revenir. Aujourd'hui, non, vous n'allez pas revenir. Vous n'allez pas aller de nouveau vers cet homme. Stop. Aujourd'hui, pour sortir de cette influence, de cette manipulation, de cette emprise, va falloir couper le contact. Vraiment. Ou si vous avez des enfants, lui donner juste, lui ramener les enfants, récupérer les enfants, ne lui donner aucun indice sur votre vie. Aucun indice en fait sur votre vie, sur vos émotions, sur votre ressenti, comment vous vous sentez. Parce qu'il va utiliser le moindre petit détail pour trouver la faille, pouvoir s'immiscer en vous et reprendre le contrôle de la situation et resserrer l'emprise. Alors, aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'enfants ensemble, ben c'est simple, je vais être claire, nette, précise. Plus de contact, plus d'SMS, même s'il écrit, on ne répond pas. Si vous harcèle en téléphonant, vous le bloquez. Mais que ce soit réseaux sociaux, téléphone, peu importe, ne répondez plus à ces messages. Le meilleur moyen de prendre le pas et gagner par rapport à un pervers narcissique, c'est de couper le contact et de ne plus lui répondre. Jamais. Jamais de la vie. Et n'espérez pas qu'il change parce qu'il changera jamais. Parce que le pervers narcissique, en fait, tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. Et le but ultime, en fait, c'est vraiment, en fait, d'être une chose où il veut faire ce qu'il a envie de vous. Et vous n'êtes pas un objet. Vous êtes un être humain. Et à force de subir ce que vous subissez, ça peut créer, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, un choc post-traumatique lié à cette relation et vous faire douter de vous. Et que, en fait, après, vous êtes dans une situation où vous sortez de cette emprise, vous réalisez toutes ces choses en fait, qui vous a faites, tous les comportements qu'il a eus, qu'elles étaient pas normales, que c'était toxique, que c'était pas quelque chose d'acceptable. Mais comprenez bien, aujourd'hui, que oui, vous avez vécu avec cette personne une relation hautement toxique, mais c'est pas parce que vous avez vécu une relation toxique une fois avec un pervers narcissique que toutes les personnes, que ce soit en tant qu'amie, en tant que chérie, en tant que femme, en tant que nouvelle petite amie, peu importe, vous allez systématiquement en fait retrouver un pervers narcissique dans une nouvelle relation. Non, il y en a, mais on va pas dire que tout le monde a, on va dire en lui du pervers narcissique. Personne, on peut pas dire que honnêtement, toutes les personnes sont des pervers narcissiques. Certaines personnes ne sont pas toxiques, peuvent devenir toxiques parce qu'on ne leur a pas mis de barrière, parce qu'on ne s'est pas affirmé, parce qu'on n'a pas confiance en nous.
Mais aujourd'hui, si vous voulez prendre confiance en vous et reprendre votre vie en main, laissez cette personne de côté, ne lui donnez, si vous avez des enfants, aucun indice sur votre vie et sur votre vie sentimentale, familiale, peu importe, ne lui donnez pas le pouvoir. Parce que plus vous lui donnez du pouvoir, plus il va l'utiliser contre vous pour vous manipuler, pour resserrer l'emprise. Aujourd'hui, si vous avez des enfants ensemble, vous récupérez vos enfants et vous expliquez à vos enfants que si votre père, si son père ou sa mère lui raconte des histoires, essaye de le manipuler, qu'il ne faut pas l'écouter. Quitte à emmener l'enfant chez un, on va dire, pédopsychiatre, chez quelqu'un pour en fait discuter et que il ne soit pas en fait relié en fait entre vous et lui et qu'il va l'utiliser contre vous parce que c'est important parce que l'enfant en fait se construit petit à petit et que quand on a une personne pervers narcissique dans notre que ce soit père, mère ou soeur et frère, peu importe, ça peut détruire l'état psychologique d'une personne. Il peut même devenir par la suite comme son père. Alors, si vous avez un enfant, aujourd'hui, ce qui est important, c'est véritablement en fait, de faire suivre votre enfant par rapport à ça, pour bien en fait, le libérer de ses peurs, de cette manipulation, qu'il comprenne que les choses que son père ou sa mère dit ne sont pas normales. Comme je le disais, pour le pervers narcissique, quand on est en couple et qu'on n'a pas eu d'enfant, plus de nouvelles, on ne lui écrit plus, on ne lui parle plus, on le bloque de partout, on ne réagit pas à ses messages, l'ignorance. C'est le meilleur moyen. Et si vous êtes en couple, comme je l'ai dit, vos enfants, vous les protégez, vous le faites voir un psy, vous ne lui donnez aucun indice sur votre état émotionnel, vous ne lui expliquez pas ce qui se passe dans sa vie, vous ne lui donnez plus de pouvoir. Et si il essaye de vous manipuler en faisant du chantage, en essayant de vous intimider, vous lui dites non, stop, tu m'intimides pas, stop, je sais ce que tu essayes de faire, tu ne me fais pas peur. C'est peut-être simple, mais c'est efficace parce que ça va lui faire comprendre qu'il n'a plus pouvoir sur vous. Aujourd'hui, si quelqu'un de type pervers narcissique vous parle et vous dit peu importe, vous lui dites stop, je t'interdis de me parler comme ça, stop, tu ne m'intimides pas, je n'ai pas peur de toi. C'est simple, efficace, mais croyez-moi, c'est vraiment efficace. Un pervers narcissique cherchera toujours à prendre le dessus sur vous. Et là, c'est l'après-relation. Il va falloir faire vraiment en fait après cette relation du pervers narcissique, va falloir reprendre confiance en vous, va falloir vous reconstruire, va falloir prendre conscience que c'est pas parce que vous avez eu une relation avec un pervers narcissique que tous les hommes ou toutes les femmes qui suivront seront des pervers narcissiques. Ça, les amis, faut prendre conscience de ça. Déjà, avant de vous relancer dans une relation amoureuse, il faut vous reconstruire. Parce qu'après un pervers narcissique, on est détruite psychologiquement et ça a des impacts physiques sur votre santé. Alors, aujourd'hui, prenez soin de vous, reconstruisez-vous et reprenez confiance en vous. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo, je ferai une vidéo par rapport à comment se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique. À la prochaine, les amis, et n'hésitez pas à me laisser un message. Merci à vous.